devriez être satisfait. Station de véhicules ouverte. Passez un excellent séjour. Veillez à respecter la notice des produits. Portez-vous bien.
Allez, debout. Je crois que c'est le gros de la bande. Hé, hey, Anspi, sors de là! Tu viens me sauver? Je suis quoi? Ta princesse? Si tu étais une princesse, tu vaudrais quelque chose. Ferme-la et lance-moi un flingue. Qui c'est? Ton ami? Tu dois être Anspi Shell. C'est un plaisir de te rencontrer. Ah ouais? Comment un mec comme toi a pu finir avec elle? Il a plus de goût que tu le crois. Je l'ai trouvé chez Nemro le Hutt. Mais on peut pas le lui reprocher. J'en avais pas l'intention. Vous tombez à pic, au fait. Ils avaient reçu un holosignal sur lequel me faire griller. Vous avez de quoi quitter la planète? Prends tes affaires et rejoins-nous au spatioport. Je te trouverai un véhicule. Ton amie est superbe. Mais elle ne t'arrive pas à la cheville. Bien sûr que non. Ok. Tu te souviens que j'ai dit que j'avais une surprise? Il y a une prime sur Anspi Shell. On l'a sauvée, elle nous appartient. On va la vendre. J'imagine que j'aurais dû m'en douter. Regarde-moi. Je lui dois la vie. Mais tu sais comment elle m'a sauvée? Elle m'a mise dans une boîte et m'a envoyée sur Utah. J'ai passé 12 semaines dans la crasse à bosser dans une ferme chimique. Elle m'a humiliée. Ça aussi, je le lui dois. C'est ton ami, c'est toi qui vois. On la retrouve au spatioport. J'ai toujours su qu'on s'entendrait. Je te promets que la récompense vaut le coup. Allez, debout. Allez, debout. Hé, hey, tu t'en es bien sorti? Ouais. Je suis tombée sur un des gars de Zenjo. Je l'ai amoché, mais il respire encore. On ferait mieux de pas traîner. Donne-moi 20 minutes, je te prépare tout. Tiens-lui compagnie. Je reviens. J'apprécie le coup de main, mais... je peux te demander quelque chose? C'est Kallio, ton ami, pas moi. C'est ça, le truc. C'est pas mon ami. Elle t'a dit qu'on se connaissait depuis des années, qu'on s'était rencontrés à son départ de sa planète natale, etc. Tu veux dire que c'est pas vrai? C'est une mythomane. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. Avant ça, elle était toute seule. Je sais même pas d'où elle vient vraiment. Du coup, je me demande si elle est vraiment là pour m'aider ou si ma situation s'aggrave.
Talio te doit la vie. Elle rembourse sa dette, c'est tout. D'accord. On va l'attendre, alors. Regarde qui voilà. C'est la fille? Tu m'as eu! Tu m'as eu! Pauvre chérie. J'ai survécu à Uta quand tu m'y as envoyé. Si tu encaisses pas ce que ce mec va te faire subir, tant pis pour toi. Finissons l'échange et partons d'ici. Je te jure que je te tuerai. Je te tuerai! Tu as bien joué le jeu. Voilà ta part du gâteau. En fin de compte, elle vaut un paquet. D'après elle, vous vous seriez rencontrés il y a moins d'un an. On peut en reparler plus tard. On a de l'argent à dépenser. C'est le moment d'en profiter. C'est toujours un plaisir, maître. Je vous souhaite une excellente journée, sans aucun désir de me désactiver. Opérateur 9 à Observateur 2. Répondez, s'il vous plaît. Autorisation de contact refusée. Ici le corps de défense automatisé impérial CR-97. Sur ordre de Dark Zorid, seigneur du Conseil Noir, votre vaisseau est immobilisé. Opérateur 9, la dernière fois que nous nous sommes parlé, je vous ai invité sur Corriban. N'avez-vous pas compris que cette audience est un véritable privilège? Si je me souviens bien, vous avez essayé de me faire tuer à l'occasion d'une sorte de test. De nombreuses personnes rêvent de servir un membre du Conseil Noir. Vous ne m'avez pas impressionné, opérateur. Vous ne m'avez donné aucune nouvelle depuis le début de votre mission, que ce soit à propos du meurtre de Dark Jadus ou d'autre chose. Quand vous recevrez mes ordres, vous obéirez. Sinon, vous serez écorché vif, ainsi que tous ceux que vous connaissez. Compris? Je comprends. Et j'implore votre pardon. Je devrais m'en satisfaire. Bien. Mes pairs du Conseil Noir me reconnaissent, mais ils ne me respectent pas encore. Pas comme ils respectaient mon père. Pour asseoir ma position, je dois connaître les secrets de mon père, les mystères dont Dark Jadus n'a jamais daigné me faire part. Vous me demandez de découvrir ces secrets? Je vous demande de trouver une personne en qui Jadus avait confiance. J'étais sa seule apprentie, mais il préférait ses conseillers aveugles à la force à sa propre fille. Bien sûr, la plupart de ses conseillers sont morts avec lui sur le Dominateur, mais pas tous. Viord Yanol a survécu. Viord Yanol s'est réfugié sur Nar Shadda. Et ce conseiller peut vous révéler ce que Jadus savait.
Je sais que c'est le cas. Pourquoi aurait-il fui si ce n'est pas parce qu'il avait peur de partager? Une fois encore, Yanel a peut-être conspiré avec les rivaux de Jadus. Il est peut-être lié à la mort de mon père. Le résultat est le même. Mes sources ont découvert sa cachette. Vous irez l'attraper et vous me l'amènerez. J'en ai fini avec vous pour l'instant. Allez, debout. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Revenez à l'occasion. Station de véhicules ouverte. Passez un excellent séjour. Toi et moi, on devient plutôt bons. On peut sentir le désespoir chez ces types. Comme s'il y avait une phéromone de Duros.
Allez-vous-en ! Je ne vous ai rien fait ! Je n'ai rien touché sur ce tas de poussière ! J'ai respecté toutes ces coutumes locales ridicules ! Je n'ai parlé à personne ! Prenez ce dont vous avez besoin et en route. On ne reste pas là. Petit insolent ! Ne me touchez pas ! Reculez ! C'est le Conseil Noir qui vous a engagé ? Ou la République Galactique ? L'Ordre Mécrosa ? Les Huts ? Ça n'a pas d'importance ! Mon maître est mort ! Dark Jadus n'est plus là ! Je n'ai plus personne à trahir ! Je n'ai pas le temps pour vos négociations. Écoutez-moi. Vous ne comprenez rien. Le Seigneur Jadus a dû prendre des dispositions concernant sa mort. Il avait le pouvoir, et le feu, et l'intelligence. Dès que le maître est mort, je vous l'assure, ses plans d'urgence ont été exécutés. Ils anéantiront tout ce que le Seigneur Jadus a touché, et je ne veux pas être impliqué. Il est déjà trop tard. Pauvre fou! Tous ceux que Jadus a approchés seront détruits, sans exception. Il vit encore, mais il n'est pas prêt de se relever. Maintenant, il va falloir le traîner jusqu'au vaisseau. On l'emmène et on continue. Oui, vous savez, on pourrait croire qu'un conseiller haut placé aurait quelques crédits supplémentaires sur lui. Déjà venu sur Narshada. Je peux te montrer les cantinas, te faire participer aux meilleurs combats, te faire visiter le marché aux organes. Ça va être marrant. Allez, debout! Ok, fais-moi belle. Ah.
Cerbère à Opérateur 9. J'ai cru comprendre que Dark Zori vous a confié une mission. Je ne suis pas censé m'occuper des affaires d'un membre du Conseil Noir, alors je ne vous demanderai pas ce qu'elle veut. Mais je veux que vous soyez prudent. J'espère que vous ne dites pas de mal de notre nouveau seigneur. Bien sûr que non. Et je vous serais reconnaissant de ne pas insinuer une telle chose. Zorid s'est installée dans les vieux appartements de Dark Jadus sur Dromunkas. Elle vous y attend. Terminé. Ok, fais-moi belle. Toi et moi, on devient plutôt bons. Destination ? Bon séjour. Toi et moi, on devient plutôt bons. Veillez à respecter la notice des produits. Portez-vous bien.
Ils ont peur de toi ici, non? Tu viens, tu vas. Tu es l'effrayante police secrète. Allez, debout! Vous pensez avoir compris la leçon, Cerber? Oui, Excellence! Vous portez mal votre nom. Vous n'avez pas vraiment réussi à garder vos agents. À propos, opérateur neuf, votre supérieur et moi avions une petite conversation. De quoi s'agit-il? Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est ce que vous avez fait. Voyez-vous, lors de notre dernier échange, vous avez dit quelque chose qui m'a déplu. Je ne sais plus quoi. J'ai pensé vous faire tuer, mais je me suis dit qui est vraiment responsable, et j'ai décidé de punir Cerber. Qu'avez-vous l'intention de lui faire ? Oh, je ne sais pas. Je commence à m'ennuyer. Cerber, vous pouvez partir. L'opérateur et moi avons des affaires à régler. Je vous remercie, Excellence. Quant à vous, opérateur, je suis ravi de voir que vous êtes en vie. Ça devient dangereux. Dangereux et imprévisible. Exactement. Soyez prudent. Alors, Viordianol, c'est lui? Ou bien est-ce un autre corps à ajouter à ma collection? J'ai récupéré Yanol, comme vous me l'avez demandé. Oh, agent. Yanol et moi allons passer un peu de temps ensemble. Il va me révéler tous les secrets que mon père n'a jamais eus. Attendez-vous à un témoignage de ma reconnaissance, et attendez-vous à ce que je vous recontacte, mon opérateur. Ça me donnera un objectif dans la vie. Pensez-y. Rêvez de moi et des services que vous me rendrez. Éprouvez ma patience.
Allez, debout. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais travailler à votre service. Je suis un droïde chanceux, maître. Transmission des codes de sécurité. Observateur 2 pour opérateur 9. Je suis heureuse que vous ayez repris du service. Depuis que vous avez démantelé les cellules de Balmora et de Narshada, le reste du réseau terroriste a mis les bouchées doubles. Plus ils bougent, plus ils sont visibles. C'est à notre avantage. C'est pourquoi je ne me plains pas. Je vous ai déjà parlé de l'arme mystérieuse de l'aigle, les éradicateurs. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais on a intercepté cette transmission. Quand les appareils seront opérationnels, j'entrerai les codes des cibles moi-même. Les instructions seront envoyées à ce moment-là. Mais toutes les cellules sont encouragées à préparer les attaques sur les cibles secondaires. Une fois que les éradicateurs auront semé le chaos dans toutes les places fortes de l'Empire, vous devrez attiser la flamme. Élevez-vous au-dessus des décombres. Faites de cette destruction un message. C'est ainsi que nous vaincrons. C'était l'aigle lui-même. On dirait que l'assassinat de Dark Jadus n'était que le début. C'est certainement intimidant, mais qu'est-ce que ça nous apprend exactement? À peine assez de quoi ajouter à son profil. On a une bonne nouvelle. On a des pistes concernant deux nouvelles cellules terroristes essentielles pour les opérations du réseau. Ce sont vos prochaines cibles. Rendez-vous sur Tatooine et Alderaan à votre discrétion. Votre mission continue là-bas. Terminé. Observateur 2 à opérateur 9. Lien établi avec le spatioport de Mos Ila. Mise à jour des protocoles de cryptage. Et transmission sécurisée. Je suppose que le voyage s'est passé sans encombre. Le paysage jure avec votre jolie voix. Je commençais à m'ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer longtemps. Tatooine est un monde désertique. Système stellaire binaire, forme de vie limitée, faible population composée de fermiers et de petits criminels. Mos Ila est le seul avant-poste de l'Empire. Ce n'est pas le genre d'endroit où on s'attend à voir des terroristes, mais ceux-là sont d'un genre particulier. C'est la cellule fantôme. Particulier dans quel sens? Leur méthode, leur politique, leur espèce? Leur méthode et leur fonctionnement.
Il y a des années, des rumeurs ont circulé sur un programme d'entraînement pour radicaux endurcis. Un groupe terroriste spécialisé dans le camouflage, l'infiltration et les assassinats. De nouveaux éléments indiquent que cette cellule fantôme serait bien réelle. C'est un groupe d'élite au service du réseau de l'Aigle. J'ai vu des spectres dans le Temple Noir, alors je n'ai pas peur des faux fantômes. Opérateur, il n'y avait pas de spectres dans le Temple. Des manifestations étranges de la Force, c'est tout. Vous êtes là car nous avons été contactés par une source anonyme qui prétend avoir fait partie de la cellule fantôme. Cette source souhaite faire arrêter ces terroristes pour avoir meilleure conscience et veut rencontrer un opérateur. Une source anonyme demande un rendez-vous. Ça ne m'inspire pas. Ce qu'elle nous a dit tient la route. On ne peut pas passer à côté. Calmez sa paranoïa et liquidez-la une fois la cellule détruite. Elle attend un appel depuis une station Holocom en ville. Soyez prudent. Observateur 2, terminé. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais travailler à votre service. Je suis un droïde chanceux, maître. Ok, fais-moi belle. Allez, debout! On dirait que les impériaux sont venus en nombre ici. Allez, finissons-en avant que tu te mettes à peler. Ça fait des jours que j'attends, et j'aime pas qu'on se fiche de moi. D'ailleurs, qui êtes-vous? Qui vous envoie? Je peux vous anéantir si je n'ai pas ce que je veux. C'est clair? Oui, très. Je vais vous parler des terroristes, mais pas sans garantie. Je veux bien vous voir, mais personne ne doit le savoir. Ni la cellule fantôme, ni les forces impériales. Je ne peux rien vous promettre tant que je n'en sais pas plus. Je n'ai pas confiance en vous et la cellule veut me tuer. Ça vous va dans l'info? Il y a des droïdes sentinelles partout en ville, même en l'impériale, mais tout le monde sait que leurs caméras ne sont pas sécurisées. La cellule fantôme pourrait s'en servir pour me trouver. Détruisez les droïdes et nous pourrons alors nous rencontrer. C'est moi qui décide de ce que je fais. Vous ne connaissez pas la cellule fantôme, hors de question que je me fasse repérer et tuer à cause de vous. Une fois les sentinelles détruites, allez au marché. Donnez les holocaméras des droïdes à un marchand nommé Datowis, et il vous enverra à moi. Datowis. Il est fiable au moins? C'est juste un intermédiaire, il ne sait rien.
Si la voie est libre, on se verra bientôt. Sinon, c'est la dernière fois qu'on se parle. Sans la sueur de fermier ici. C'est la planque idéale. Les beaux droïdes, pour tous les goûts. Vous allez m'en acheter, oui. Jetez un coup d'œil. J'ai vos fichus holocaméras, alors dites-moi ce qui se passe. Des holocaméras? Oui, oui. Pour ça, nous faisons un échange, les holocaméras contre un joli droïde souris. Bonne affaire. Je ne veux pas d'un droïde. Qui vous a dit de faire ça? Non, non, écoutez, on me l'a donné ce matin, d'accord? Avec des crédits et une instruction, donnez-le contre des holocaméras. C'est tout ce que je sais. Je ne pose pas de questions quand on me donne un droïde et de l'argent. Alors prenez-le. Je n'aime pas ça, mais je ferai ce qui doit l'être. Oui, oui. Oh, regardez, votre droïde a une course à faire. Vous devriez le suivre, non? Sur Uta, les droïdes souris nous servaient de cible de tir. Je n'ai rien d'autre pour vous. Rangez vos armes. Je ne veux pas me battre. C'est juste... Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Même si j'ai été suivi, vous n'irez nulle part. C'est compris? J'ai dit que je ne voulais pas me battre, bon sang! Ok. Là, je cède.
Oh, la peur. On veut un câlin? Je m'appelle Mia Hawkins. Je ne vous raconte pas de salade. C'est juste que la cellule fantôme peut prendre toutes les formes, grâce au holo-déguisement. Un holo-déguisement, ça ne suffit pas. Ce n'est pas... Laissez-moi vous raconter. Je faisais partie du Drapeau Cobalt, un groupe de résistants sur Sulust. Nous luttions contre l'Empire en organisant des attentats à la bombe et des sabotages. En vain. L'année dernière, les forces impériales ont contre-attaqué. Mes compagnons sont morts. Des gens m'ont alors proposé une issue de secours, une reconversion. Arrêtez un peu de jouer les victimes. Vous avez tué des gens. Le Drapeau Cobalt prévenait toujours avant une attaque. Si des civils sont morts, c'est pas notre faute. Écoutez, je ne veux pas me lancer dans un débat politique. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, notre objectif est le même. Ma patience a des limites. Très bien. Allons-y alors. Les gens de l'Aigle m'ont fait entrer clandestinement sur Tatooine et m'ont conduit dans un drôle de village abandonné, au milieu du désert. C'est là qu'est basée la cellule fantôme. Quelques dizaines de combattants venus de toute la galaxie pour être formés par le chef, le patriarche. Je vais éliminer ces assassins. Et vous allez m'aider. Je suis d'accord, mais vous devez d'abord en savoir plus sur eux. Le village du patriarche est abandonné. Là, il nous a appris l'art des bombes, du tir à distance et plein d'autres choses. J'y suis resté des mois. Puis on s'est mis à kidnapper des civils. On les emmenait au village pour s'entraîner. C'est là que je me suis enfui. Vu votre parcours, je ne vous aurais pas cru aussi sensible. Ces gens étaient innocents. Il y a des limites et la cellule fantôme les a dépassés. J'ignore où se trouve le village. On nous endormait à chaque voyage. Mais j'ai une idée. La cellule est approvisionnée par un contrebandier, un certain Œil de Dragon. Si on s'y prend bien, il peut nous conduire à eux. On fait du bruit pour attirer Œil de Dragon. Exactement. J'ai fabriqué moi-même ces petits mouchards. Il faudrait les placer sur les clients de la cantina du coin. Ils doivent savoir des choses. Puis vous clamez haut et fort que vous cherchez Œil de Dragon. Si quelqu'un tente de le prévenir, grâce au mouchard, on le saura. Croyez-moi, je suis un bon acteur. Je surveille les mouchards et je vous appelle si quelqu'un contacte Œil de Dragon. Mais faites vite, ok? C'est l'heure de tendre le piège. On va commencer par la cantina. Il faut faire sortir Œil de Dragon. Favorisez toujours le meurtre rapide et silencieux. N'hésitez pas à repasser.
Allez, debout. Une petite cantina sordide. Si je devais vivre sur cette planète, c'est ici que je viendrais aussi. Cours, Adam. Kirikami-memgo. Eh bien, ça a pas traîné. On a déjà dépensé tout l'argent d'Enspichel, radin de chasseur de primes. Toi et Enspi, vous avez beaucoup bavardé tous les deux, échangé des histoires du passé, des potins sur moi. Elle m'a dit que tu étais mythomane et qu'elle te connaissait depuis moins d'un an. T'y crois toujours? T'es marrant. Tout ça, ça me fait réfléchir, ceci dit. J'ai eu pas mal de partenaires ces dernières années. Elle, Nemro, un type appelé Roll. Il détournait les vaisseaux de ravitaillement de la République. Il avait de l'argent, du cran. Crois que tu fais le poids. Tu me compares vraiment à tes anciens partenaires? Le prends pas comme ça. Je me demande pourquoi, en connaissant autant de personnes viles, riches et intelligentes, je me retrouve avec toi. On a tous besoin de s'éloigner de la grande vie, parfois. Je plaisante, agent. Je plaisante. Va falloir t'habituer. Soudain, les impériaux arrivent avec trois droïdes astromécanos. Et je commence à me dire... Je vois. Vous voulez quoi? Je suis un peu débordé, là. Vous allez me dire où trouver Œil de Dragon. Et vous allez le faire maintenant. Hé hey là, je vois pas de quoi vous parler. Écoutez, il y a beaucoup de passages ici. Je ne peux pas me souvenir de tout. Pourquoi le cherchez-vous? Disons que je préfère garder ça pour moi. Eh bien, je vais ouvrir les oreilles, mais je ne vous promets rien. Demandons aux clients. Ces ratés savent peut-être quelque chose. Bonne nouvelle. Un vieux rodien a quitté la cantina il y a quelques minutes. Il semblait nerveux, je le piste. Il va peut-être nous mener à Œil de Dragon.
La mauvaise nouvelle, c'est que des tueurs de la cellule fantôme arrivent. Ils veulent vous supprimer. Qu'ils essayent. Je ne suis pas facile à attraper. Oui, je n'en doute pas, mais même si vous survivez, ils utilisent une technologie de camouflage ou sont vêtus en civil. Vous ne les trouverez pas tous. Ils vous traqueront patiemment et tôt ou tard, ils vous planteront un couteau dans la gorge. C'est comme ça qu'ils font. Vous devez vous en débarrasser, et vite. Prenez les devants, tendez-leur une embuscade. Je n'ai pas besoin de conseils. Dans ce cas, pourquoi la cellule fantôme existe, hein? Quittez la ville avec un speeder. Il y a une vieille ferme éolienne pas loin. On peut s'y cacher et la poussière parasitera leur camouflage. Vous pourrez aussi y cacher les corps. Bon, je dois y aller. Ils sont à ma recherche. À plus tard. Allez, sois pas timide. Monte. Je suis très bien ici, merci. Oh, allez, t'es des nôtres maintenant. C'est une tradition des squads. J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. À votre service, monsieur. Itinéraire confirmé. Allez, debout. Allez, debout. Allez, debout.
Toi et moi, on devient plutôt bons. Allez, debout.
Sors de là. Le vent a soufflé ton nom. Le sable recouvrira ton cadavre. Tu as posé les mauvaises questions. Le patriarche t'a condamné à mourir. Vraiment? Alors j'ai une surprise pour vous. C'est ce qu'on va voir. Ils sont tous morts? Comment vous avez fait? Laissez tomber. Vous êtes formidables. Ils vous ont blessé? Je vous croyais planqué en ville. Quoi? Non, je voulais m'assurer que vous alliez bien. Vous êtes... Comment dire? Sans votre intervention, ils seraient venus me tuer. Comment vous remercier? Je ne crois pas que vous étiez une cible secondaire. Vous avez dit vous-même... C'est quoi votre problème? J'essaye de vous aider et vous, vous ne faites que m'accuser. On ne ment pas à un pro du mensonge. Ah! Je vais vous tuer, de même que la traîtresse! Allô? Vous êtes toujours en vie? L'un des assassins vous ressemblait. Vous m'expliquez? Quoi? Bon sang! La cellule fantôme est spécialisée dans les imitations. Les hologrammes. Le patriarche est très fort. Il a dû former quelqu'un à devenir moi. Votre double a voulu me connaître d'un peu plus près. Avant d'essayer de me tuer. Je vois. Mais une ancienne terroriste, ça n'est pas vraiment votre genre. Bon, pendant votre combat, mes mouchards ont repéré Œil de Dragon. Retrouvons-nous avant que quelqu'un n'entende cet appel. Il y a un comptoir, pas loin de sa position. J'y vais tout de suite. Si c'est dangereux, on peut se voir en ville. C'est... Non, ça ira. Après votre exploit, la cellule fantôme va être occupée un moment. Je vous attends dans l'une des zones de stockage. Ça ira si vous faites vite et que... Je dois y aller.
Ankara Nankara. Kirikami Memgo.